À 20 km au nord-ouest de la capitale géorgienne Tbilissi, Svetitsroveli est la principale église orthodoxe du pays. L'édifice que l'on peut voir aujourd'hui a été construit entre 1010 et 1029. On y trouve les tombeaux des rois de Géorgie et dans une tombe, il y aurait une tunique du Christ. Cette cathédrale, l'un des lieux de culte les plus sacrés du pays, était déjà un site de pèlerinage majeur du temps de la route de la soie. Aujourd'hui, derrière ces murs millénaires, des traditions anciennes et des légendes mystérieuses sont encore bien vivantes. L'ensemble des bâtiments comprend l'église, le clocher, mais aussi une forteresse et des habitations cléricales. Exemple exceptionnel de l'architecture religieuse du Moyen-Âge dans cette région du Caucase, Svetitsroveli figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous, Svetitsroveli, ce n'est pas qu'une église, un site religieux, un sanctuaire sacré ou les tombeaux des rois. C'est un lieu qui est étroitement lié à l'histoire de la Géorgie dans son ensemble, à ses conflits, constructions, destructions et reconstructions. Le nom de la cathédrale fait référence à sa propre résistance face à ce passé mouvementé. Svetitsroveli signifie le pilier de la vie.